vrai, Mère Missiard. Ce n'est pas comme ça que tu suivras les hommes à la chasse. C'est la seule ambition que vous ayez pour moi? Suivre les hommes? Moi, je les battrai à la course et ils mangeront ma poussière. Mais pour ça, il me faudrait un bon cheval. Depuis le temps que tu insistes pour faire cette balade. Mais pourquoi ici? Pour l'arbre. Quel arbre? Le pommier, père. Je veux passer de nouveau l'épreuve d'adoubement. L'épreuve de... Mais tu n'as plus 10 ans, tu sais. Oh, je vous en prie, père. Je me suis entraînée dur pour ça. Bon, très bien. Allons-y. Regardez, Lyon. Le fauve de Guyenne est pressé d'en découdre. Mon fauve pense avec son estomac, comme d'habitude. Un peu comme vous, en somme. Tu es dur. Vas-y, mon chien. Tu vas trouver une proie. Je crois en toi. Ah, ne rêve pas trop. Allez, avançons. Tiens, le bandeau de ta mère est encore là. C'est ici que je lui ai fait la cour, tu sais. Oui, père, je sais. Si seulement elle pouvait venir avec nous. Chacun a ses obligations, Amicia. Tu sais, dans une famille... Hé ! J'essaie de parler. Quelle autorité, chevalier de runes ! Allez, vas-y ! Et rapporte quelque chose, pour une fois. Bien. Je disais... Chacun a ses obligations. Je dois m'occuper de ces terres. Ta mère doit soigner ton frère. Et toi... Et moi, je ne vous vois plus. Et mère, encore moins. Écoute, c'est pour toi que nous sommes ici. Alors, suis-moi, ma fille. Quoi? Hé! Tu as ta fronde, j'espère. Bien sûr. Allez. Oseras-tu franchir l'enceinte de l'épreuve? Amicia de Rune n'a peur de rien. Ce pommier a été planté à ta naissance. Il prouvera ta valeur. Chevalier, quels sont les termes de l'épreuve? Les pommes sacrées de l'arbre... sacrées ont été corrompues par un grand mal. Je compte jusqu'à 10. Si tu détruis 6 de ces pommes pourries avant la fin, je te ferai chevaleresse. Je relève le défi. Je vois des pierres près du tronc là-bas. Prends-les et dis-moi quand tu es prêt. Je vais vous montrer que je ne suis plus une enfant. Bien, reviens. Place-toi derrière ce tronc. Tu tireras d'ici. À vos ordres. Alors, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, ma fille. 6, 7, 8. Et c'est ainsi qu'Amicia devint chevaleresse. 9. Et voilà. Eh bien, je suis impressionné. Mais ta fronde fait un bruit de tous les diables. C'est vous qui me l'avez offerte, vous vous souvenez? Ah oui, j'avais oublié. Eh bien, qu'est-ce qu'il a? Il a dû flairer un lapin. Venez, vite! Par devant, je te rejoins. Je n'ai plus les jambes de mes 20 ans. Lyon! Attends-moi! Lyon! Un chien de chasse n'est pas censé semer son maître. Lyon! Mais où il est? Oh, tu es là. Qu'est-ce que tu as senti? Oh là là, un sanglier! Bravo, mon chien. Amicia, il a trouvé quelque chose? Chut! Venez voir, un sanglier! C'est un sacré gibier. Ce serait l'occasion d'un beau festin. J'ai encore ma fronde avec moi. Ça pourrait marcher, mais tu dois t'approcher de lui. Ses herbes te cacheront si tu restes baissé. C'est le moment.
de tir plus discret. Tu dois toucher sa tête. Doucement, c'est sa tête que tu dois viser. Je fais de mon mieux. Je veux ce festin. Je sais, ma fille. Tu vas y arriver, j'en suis sûr. Te voilà. Utilise les hautes herbes. Reste baissé. Est-ce que la fin te rend toujours aussi précise? On dirait que ton festin n'a pas dit son dernier mot. Non, non, non! Allez, lion! Ne le lâche pas! Je vous le promets, ce soir nous dînerons comme des rois! Ça, je n'en doute aucunement. Ne le lâche pas, lion! Ça arrive, lion! Retiens-le et tu auras un beau morceau rien que pour toi! Oh non, je vais m'enfoncer là-dedans. Le sanglier, il perd du sang. Il n'aboie plus. Il a dû le trouver. Oh, des choses toutes neuves. Je viens d'entendre parler. Des arbres. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Lion! Reviens! Mais... c'est le sanglier? Pourquoi il est... Lion n'a pas pu faire ça. Lion! Viens, mon chien! Lion! Je suis là! J'arrive! Diablerie. On rentre. Tout de suite. Je vais organiser une battue. Va trouver ta mère. Dis-lui que je dois lui parler immédiatement. Elle doit être... en train de s'occuper d'Hugo. Oui, je sais. Amicia. C'était un bon chien. T'en es où des rivets pour renforcer la porte? J'ai pas pu les faire encore. T'es au courant que les troupes anglaises arrivent? Ah. Bonjour, mademoiselle Amicia. Va falloir patienter. Oh, mademoiselle Amicia, avez-vous vu... Plus tard, Flora. Dis aux autres de ne pas mettre les pieds dans la forêt jusqu'à nouvel ordre. Dans la nuit. Oui, oui, Anglais, je leur dirai. Mais pourquoi les Anglais mordraient des gens? Alia Horatio Sancti Sebastiani, préserve-nous du mal, accorde-nous la santé et garde les fléaux loin de notre foyer. Prenez soin de Lion, je vous en prie. Il mérite sa place à vos côtés, même s'il faisait parfois des bêtises. Adieu, mon chien. J'espère que Mère n'est pas trop occupée. Ça va pas durer, ce soleil. La pluie a déjà ruiné les récoltes. Les gens crèvent de faim. Ah, Gabriel. Mère est encore à l'étage? Oui, elle y a passé la nuit. Le petit a encore fait une crise. Elle risque de pas être de bonne humeur.
entendu ce qui s'est passé au village ? Tu sais, les gens qui ont été mordus, il y a des enfants aussi, t'imagines ? À chaque fois, c'est arrivé la nuit. La famine, les Anglais à nos portes, et maintenant des vampires. Nous avons beaucoup péché pour être ainsi punis. De la cannelle. J'avais presque oublié ce que ça sentait. Ils ont bien fait de la cacher. Père serait capable d'en mettre dans tous ses plats. L'odeur de tes plats me réchauffe le cœur. Oh, ce n'est pas grand-chose, mais je pense que vous allez aimer. J'en suis certaine, oui. Oh, mademoiselle Amicia, bonjour. Je ne vous avais pas vue. Oui, bonjour, mademoiselle. Bonjour. Oui, dame Béatrice, j'y veillerai. Louise, tu viens de voir ma mère ? Tout juste. Vous voulez la voir ? C'est important. C'est un ordre de père. Oh, dans ce cas, je dois finir votre chambre. Au fait, j'ai déposé quelque chose pour vous sur votre lit. Venez voir, si vous voulez. Ah, merci. C'est le napperon que mère avait fait pour moi quand j'étais toute petite. Je l'ai cherché partout. Oh, Lion. Qu'est-ce que je vais faire ici sans toi ? Mère ? Tu sais que tu n'as pas le droit d'être ici. Je sais, mais... quelque chose a attaqué Lion dans la forêt. Écoute, mon enfant, je n'ai vraiment pas le temps d'écouter tes aventures. Mais c'est vrai ! Lion était là, par terre, et puis il a été... Chut ! Tu vas rester ici avec ton frère. Que se ferme la porte derrière moi, et quoi qu'il advienne, n'ouvre pas les volets. Mais... Hugo... Il n'est pas contagieux. Je sais que tu ne le connais pas beaucoup, mais ça va aller. Fais-moi confiance. Oui, mère. Toutes ces potions. Mère, est-ce que vous le guérirez un jour ? Ça fait combien de temps qu'il est ici ? 4 ans ? 5 ans ? Où est-il ? Hugo ? C'est moi, ta sœur. Amicia. Bonjour. C'est vrai qu'on se voit pas souvent. Maman va bientôt revenir. Allez, avance. Il a parlé. Non, Seigneur Nicolas. Il a tué 2 de nos hommes. Où est-il ? Pour la dernière fois, où est votre fils ? En de bonnes mains. Fouillez l'intérieur. C'est maman ? Qu'est-ce qui se passe ? Chut !
Je sais que t'es là, gamin. J'ai pas le temps de jouer avec toi. Ah, où est-ce qu'ils l'ont planqué? Maintenant, vite. Où est maman? Chut. Reste baissé. Hugo, c'est moi, Gabriel. Viens vite. Hé, hey, toi, viens voir un peu ici. Allons-y. Il est où, le gamin, hein? Laissez-le en paix. Ferme-la. Il appartient à l'Inquisition. Mais ce n'est qu'un enfant. Vous avez perdu le... Oh, Gabriel. Amicia. Chut. Enceinte. Oh non. Léa. De grâce, je ne sais rien. Ça t'apprendra. Non, je vous en supplie. Hugo n'est pas là. Et toi, reste ici. Il va. Alors dis-moi, où est Hugo de Rune? Amicia, qu'est-ce qui se passe? Maman, il faut trouver maman. Elle, elle saura quoi faire. Oh mon Dieu, Louise. Et toi, ça t'amuse de me faire courir, hein? Vous, pitié. Ça sert à rien de supplier. Mais il passe. Avancez. Ne regarde pas. Ben, nous servons à plus haut dessein. Allez, fais voir un peu si tu caches pas des choses. Regardez forcément ces travaux ici. Non, non. Je veux pas. Il faut. Où sont les vêtements? N'oblige pas, t'es encore mal. Je sais rien. Je m'occupe juste du linge, moi. Écoute, c'est ta dernière chance. Dis-nous un peu ce que tu sais des travaux de ta maîtresse. Même si je le savais, je dirais rien. Ta maîtresse est une bonne âme. Eh bien, eh bien. Où vous allez comme ça? Mes enfants. Mais qu'est-ce qui se passe? Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Venez. Hugo, prends la main de ta sœur. Je vais passer devant. Vous me suivez. D'accord? Il faut qu'on traverse le jardin. Amicia, prends ton frère par la main et suivez-moi. Allons-y. Oui? Oui. Garde, faites attention aux issues. Ils sont partout. Faites-moi confiance. On va passer par l'herbe. Ils ne nous verront pas. Attendez. Maman. Chut. C'est qui? Jardinier, il connaît bien la famille. Il dit qu'il connaît les gamins depuis qu'ils sont nés. C'est vrai. Le petit adore les fleurs. Je lui en apportais souvent. Fleurs? Oh! Va falloir faire mieux que ça. Emmenez-le. On a réussi. Chut. Cassez-vous. J'ai toujours travaillé ici. Ils sont comme ma famille. Je dirais rien. Allez en enfer. Ah ouais. Après toi. Je te laisse réfléchir. Maintenant. Et toi, crève pas sans m'avoir parlé. Vous êtes des lâches. Des pourritures. Oh. Il faut passer. Amicia, aide ton frère. Je vais te porter. D'accord. On en sort. Attention, descendant. Oui. Robert de Rune a une dent contre l'Inquisition. Gamin et alors deux, que trois gueux qui les retardent comme ça. Allez, dis-moi. Attention, il va nous voir. Il faut qu'on l'éloigne. Si j'arrive à toucher les casques dans la caisse là-bas, ta fronde fait trop de bruit. Je peux lancer à la main. C'était quoi ce bruit? Viens, on y va.
Ma tête. Respire, Hugo, comme je t'ai montré. Oh, qu'est-ce qu'il a? C'est son mal qui se réveille. Il faut qu'on accélère. Alors, le garçon? Il se cache. Mais le seigneur Nicolas... Toujours rien. Il n'est pas le bras armé du grand inquisiteur pour rien. Allons-y. Ah, j'y vais. Reviens vivant. On a besoin de toi ici. On peut pas y aller. Mère, peut-être que si tu lançais un de ces pots... Vous croyez? Oui, le bruit l'attirera. Nous passerons dans son dos. D'accord. Allez, je vous connais, vous, les pauvres. Toujours un sou caché quelque part. Ce bruit. Faut que j'aille voir ce que c'était. Allez. Oh non, non, non. Du calme. Tiens bien ma main. Bon. C'est... Oh, verrouillé de l'autre côté. Mère, il y a un trou dans le mur. Oui. Hugo, je suis désolée. Je sais que tu as peur, mais en passant par là, tu pourrais nous ouvrir la porte. Tu es le seul à pouvoir le faire. Il y a quoi derrière? Occupe-toi seulement de la porte. Tu es un garçon très courageux. Chaque jour me le prouve. Amicia va lâcher ta main et tu y vas vite, d'accord? D'accord. Allez, mon grand. Bravo! Il y a des gens. Prends ma main. Viens. Pitié! Pitié! On attend. Ah, demandez grâce! Ne fais pas courir plus vite, mon ami! Suivez-moi. Attendez, j'arrive. Amicia, aide ton frère la prochaine fois. Pardon, je... Ah, ma tête... Maman... Qu'est-ce qui lui arrive? Dites-moi. C'est une crise. Écoute ma voix, Hugo, tu sais comment il faut faire. Mes yeux... Ma tête... Écoute-moi, respire. Pense aux petits nuages que tu avales, que tu souffles. Dedans, dehors. Comme ça, doucement. Mère, on ne peut pas rester là. Laisse-lui un peu de temps. Ça va aller, Hugo. Je crois, oui. Alors, on continue. Courage, mon grand. Tu peux venir. J'arrive. Oh, voilà. Merci. Il y a des pots là-bas. J'y vais. Toute seule? Oui. Restez avec Hugo. Attendez mon signal, d'accord? Fais très attention. J'ai pas le droit à l'erreur. Mère et Hugo, toi, va avoir le temps de passer.
C'était quoi? Je dois les prévenir maintenant. Venez, on arrive. Allez, allez, vite. Bravo. Par ici. Rien à signaler. D'ici. Il reste un garde. L'épouvantail. Je m'entraînais au tir dessus. Mais il se rapprochera de nous. Oui, mais on attendra qu'il reparte. D'accord. Je m'en occupe. Ce bruit, ça venait de là-bas, je crois. Va-t'en, allez. Faut que je me calme. Maintenant. Oh, vous êtes vivant. Par ici, venez. Par ici. Suivez-moi. Mon chéri, va vite te cacher. Madame, ils Amicia, arrivent. Tu dois amener ton frère chez Laurentius. Le docteur? Oui, il m'a aidé à soigner Hugo. Il prendra soin de vous. Mais, et vous alors? Vous devez venir avec nous. Tu n'as pas besoin de moi, Amicia. Tu es... Amicia, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Dépêche-toi, suis la rivière, elle te conduira à Laurentius. Mère, non! Hugo, suis-moi. Vite! Hé, la sœur! On est le garçon d'armes par ici! Va nous rattraper. Cours, cours le plus vite possible. Mon Dieu. Vite, cours. Le sol bouge, Amicia. Ne t'arrête pas. Ils sont juste derrière nous. C'est quoi ce qu'ils font?